Ce programme, c'est des paysages embellis par l'art des jardins. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en fait, je voudrais parler d'un moulin à eau sur la rive gauche de la Seine, qui est devenu la célèbre folie du moulin Joly, Joly, J-O-L-Y, qui était le nom d'un meunier et qui très rapidement est devenu, dans les années 1780-1790, le Joly Moulin ou le Moulin Joly. Puis ensuite, je parlerai de l'évolution de ce site. Que la première partie donc vise la période 1750-1812, et par la suite l'évolution du site a fait que il a été rattaché à une île, l'île Barente, et que c'est devenu un site d'inspiration de peinture impressionniste et naturaliste pour Gustave Caillebotte, ce qui est beaucoup moins connu parce que habituellement on a situé tous ces sites-là comme étant sur le bassin d'Argenteuil, alors qu'ils sont un peu au sud. Et donc, c'est les sites de Colombes et non d'Argenteuil qui ont été peints et dont je vous parlerai dans la deuxième partie de mon exposé. Ceci étant, avant d'aborder ces deux parties, je vais vous montrer ce qu'est devenu le site aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans les Hauts-de-Seine, le parc de Pierre Lagravère, qui a été aménagé à partir de 1973 et jusqu'en 2017. La situation du site, vous avez Paris en bas de la carte, et donc c'est le long de la vallée les méandres de la vallée de la Seine en direction du nord-ouest. Dans cette partie, vous avez Argenteuil qui se trouve en face de Gennevilliers. Et plus au sud, vous avez Beson sur cette rive-ci et Colombes sur cette rive-ci. Donc, on va se situer dans cette partie-là, à Colombes. Donc, voilà Colombes et voilà l'île Marante, le parc départemental de l'île Marante, qui s'appelle en fait parc départemental Pierre Lagravère. Le petit bras de la Seine ayant été comblé vers 1965 pour créer cette partie autoroutière. Et il y a eu deux phases d'aménagement du parc Pierre Lagravère. La première phase a été faite par en 1970-1973 à partir des anciennes îles de Marante. Alors les îles de Moulin-Joly vont se situer dans cette partie, mais tout le profil de la berge a été recalibré vraisemblablement pour la navigation, alors qu'on avait une zone qui était une zone avec des hautes eaux et des basses eaux et des variations de niveau du fleuve selon les périodes de l'année. Donc le parc est aménagé par le département des Hauts-de-Seine sur une surface de 25 hectares. Le maître d'œuvre en a été Pierre Roulet, un paysagiste, cofondateur avec Jacques Sgarde et Jean-Claude Saint-Maurice de l'Atelier du paysage en 1960 et premier président de la Chambre syndicale des paysagistes conseil, créé en 1969. Donc vous avez un parc réaménagé par des paysagistes sur 25 hectares. Et puis en 2004-2017, ce parc est repris. Et il est réduit à 18 hectares et on fait une sorte de réhabilitation du site après une désindustrialisation du secteur de cette partie de la vallée de la Seine et en ayant pour objectif le Grand Paris et en envisageant dans les Hauts-de-Seine, qui est le département concerné, entre Rueil-Malmaison et Chatou d'une part et Gennevilliers d'autre part, de ce qu'on a appelé une promenade bleue, qui est une voie destinée aux cyclistes et aux piétons, ouverte à partir de 2010 et élément d'un ambitieux programme d'avenue verte ou véloroute Paris-Londres, selon un tracé à bicyclette, je ne sais pas si vous le ferez souvent, selon le tracé le plus direct, Paris-Dieppe, 211 km, par Argenteuil, Beson, Gisors, suivi de la traversée par un ferry de Dieppe à New Haven, et ensuite, en empruntant les 160 km, un réseau national de véloroutes du Royaume-Uni par l'organisateur britannique Soustrans. Donc ça, c'est la partie qui est donc aménagée. C'est pour cette partie-là qu'on a aménagé cette deuxième
au cours de la période de 2004-2017, l'île Marante. Donc, cette promenade bleue a donné lieu aussi à une meilleure introduction, une meilleure insertion de colombes qui étaient isolées de la Seine par ces deux passerelles, si vous voulez, ici, qui permettaient de rejoindre l'île Marante. Je ne m'étendrai pas plus sur cette partie-là. Je pense qu'on voit d'ailleurs un certain nombre de documents le concernant sur Internet. Alors, le maître d'ouvrage a été le conseil départemental des Hauts-de-Seine, et le maître d'œuvre désigné a été l'atelier du paysage avec deux paysagistes, Anne-Sylvie Bruel et Christophe Delmar, pour un budget de 12 400 000 euros. Alors ici, vous avez deux vues que j'ai voulu rapprocher. Donc vous avez le plan que vous venez de voir du parc La Gravère en bas, et dans la partie haute, vous avez Moulin-Joly, le plan de la folie Moulin-Joly vers 1780. Cette partie, donc là, vous avez ici l'île Marante. L'île Marante ancienne était devenue cette partie-là. Elle s'étendait bien plus au sud, au XIXe siècle, et au XXe, en direction du pont de Beson. Et cette partie se trouve à peu près ici, dans cette partie. Donc les différentes îles, les différentes dont je vais vous parler tout à l'heure, tout cela a été peu à peu comblé et rattaché à l'île Marante, qui était en fait qui se trouvait délimitée par un bras de Seine à ce niveau-là. Alors je vais vous demander un peu d'attention sur le plan des jardins de la folie de Moulin-Joly. Alors, la folie de Moulin-Joly, vous aviez un moulin à eau ici, avec une maison, une sorte de casin à l'italienne dans les années 1750, qui est rachetée par Vatelet. Et cette partie-là, c'est un potager. Et cette partie-là, vous avez donc un tracé assez régulier. Tout ça, ici, c'est une ancienne île aussi qui a déjà été rattachée à la berge de Colombes. Des parcelles qui sont très étroites, des parcelles agricoles, je ne sais pas si ça devait être des parcelles d'arbres fruitiers. Et ensuite, une zone qui est la zone inondable, les zones marécageuses, qui se trouve délimitée avec, dans cette partie, donc un moulin, le moulin à eau proprement dit, avec une servitude d'accès. Le moulin à eau qui a eu divers noms et qui s'est appelé à un moment donné Moulin-Joly du nom d'un meunier, il y avait une servitude d'accès le long de la berge pour permettre aux laboureurs, enfin aux agriculteurs, de venir moudre leurs grains. Donc je me posais la question, et c'est le motif pour lequel j'ai fait cette recherche. J'étais un peu surpris de voir Monsieur Claude-Henri Vatelet, qui était le fils d'un receveur de la Généralité d'Orléans, et lui-même ayant la charge de la Généralité d'Orléans, s'installer avec un procureur au Châtelet et son épouse, mère de famille, dans un moulin au milieu de la poussière. Donc, si vous voulez, le moulin se trouvait dans cette partie, qu'on ne voit peut-être pas très bien à l'écran. Alors ici, vous avez des jardins potagers. Les jardins potagers, c'est carrément le modèle qui est proposé par l'encyclopédie. Alors, le plan, c'est le principe des plans qui ont été mis en place par la Quintinie à Versailles. Bon, là, c'est la planche de l'encyclopédie que je vous ai donnée. On se trouve en définitive dans un type d'aménagement de jardin, qui est un jardin, comme vous avez pu le voir sur le plan. Voilà. Donc, je reviens sur le plan pour vous donner un maximum d'explications à partir de ce plan. Ça, c'est un plan achèvement. Vous voyez, en fait, des jardins, sauf cette partie-là, qui sont des jardins avec des tracés très réguliers et qui reprennent, en fait, des principes qui sont ceux qui ont été décrits dans les traités de composition des jardins de Desallier d'Argenville à partir de 1709. Bon, il est évident que la configuration du site entraînait des cheminements aussi un peu irréguliers, dans la mesure où on voulait suivre les berges de ces îles.
Je passerai assez vite sur la notion des jardins potagers, des jardins réguliers type de Zallier d'Argenville, pour essayer de vous expliquer pourquoi ce jardin a eu cette réputation au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Vous voyez ici qu'il y a eu, sur ce plan de 1980, des plantations d'arbres en quinconce. Il y a eu énormément un boisement de cette île, alors que l'île Marante était complètement dénudée. Et il a éventuellement aussi créé des réseaux d'irrigation dans cette partie-ci. Et dans cette partie-ci, il y avait des sortes de canaux. Et le bras de Seine, qui était en fait le bief du moulin, ici, il y avait une digue très importante qui permettait d'alimenter en eau la roue du moulin. Et ici, vous avez une installation qui est une installation de pêcherie. Je vous montrerai les images tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'en fait, on a des formes géométriques, même au milieu de l'île en question. On a surtout retenu par la suite le caractère irrégulier de ce site. Les commanditaires, donc ça, c'est... Monsieur Vatelet, Claude-Henri Vatelet, avait été en relation d'affaires avec un procureur du Châtelet qui s'appelait Jacques-Roger Lecomte. Jacques-Roger Lecomte étant marié avec Marguerite Lecomte, qui était une aquarelliste et à laquelle il a appris la gravure. Alors, on a raconté beaucoup de choses sur les relations entre ces trois personnages. Claude-Henri Vatelet, le procureur du Châtelet, son épouse, qui était également mère de famille. Claude-Henri Vatelet a rencontré Marguerite Lecomte en 1746. Donc, par la suite, il s'est passé la chose suivante. Ils ont été en fait liés quatre décennies, c'est-à-dire que les relations entre Vatelet et Jacques-René Lecomte se sont déroulés entre 1746 et 1786, qui est la date de décès de Vatelet. Vatelet, donc on se situe sous le règne de Louis XV et au début du règne de Louis XVI. Là, vous allez avoir une vue de Vatelet. Vatelet est un personnage qui a eu un précepteur aussi très, très, très important dont il faut faire état, c'est l'abbé Ponce-François Coppette, qui était un des administrateurs du Collège Louis-le-Grand à Paris et qui a vraisemblablement joué un rôle important dans les humanités du jeune Claude-Henri Vatelet. Et Vatelet se rendra en Italie à deux reprises et la deuxième fois, il y va avec l'abbé Coppette et avec Marguerite Lecomte. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de ce voyage en Italie qu'ils sont reçus au Vatican. Donc, le premier voyage, il l'a fait vers 1737. Et à cette occasion-là, il rencontre toute la communauté des artistes qui étaient pensionnaires du roi, des artistes français qui étaient pensionnaires du roi et qui se trouvaient à Rome et qui se formaient à Rome, mais également aux environs. Donc, je parlais de l'abbé Coppette parce que je pense que ce qui a beaucoup marqué la formation de Vatelet, c'est le latin, et il a en particulier dû être marqué par la conception du jardin tel que l'avait conçu Horace dans sa poésie, qui sont les satires, les épîtres et les odes. Et on se situe là entre 35 et 7 avant Jésus-Christ, et où Horace voulait chanter les louanges, disons, d'une sorte d'isolement à la campagne, à proximité de Rome, mais pour éviter les mondanités de la société à laquelle il appartenait, à Rome. Donc il y a une sorte de retrait par rapport à la vie publique de Rome. C'est très important pour comprendre la démarche de Vatelet, et ensuite celle même de Caillebotte par la suite.
Et en fait, vers 30-33, il lui est offert une maison qui était située aux environs de Tivoli, Tibur à l'époque, que l'on localisait à l'époque de la Renaissance et ensuite à l'époque du voyage de Vatelet en Italie, à Tivoli même, alors qu'en fait, on mélangeait un peu avec les écuries de Mécène. Cette maison lui avait été offerte par Mécène, et il chantait cette propriété dans différentes œuvres. L'intérêt de la maison d'Horace, c'est en particulier la conception de l'art des jardins à cette époque-là, et où, selon Pierre Grimal, on a considéré que l'art des jardins était naturalisé désormais et sous l'Empire romain. Il y avait une évolution de la conception des jardins qui, de secteur un petit peu sacré, était devenu beaucoup plus un intérêt qui se portait beaucoup plus sur les plantes et les objets naturels qu'ils composaient. Les éléments paysagistes, proprement taupières, sont abandonnés et sont enrichis d'une végétation plus abondante. La part y est plus large et la vraie nature. Donc on a, à travers les textes d'Horace, déjà une évolution de l'art du jardin et qui est en fait reprise au XVIIIe siècle, à l'époque où Vatelet fait son voyage à Rome. Dans le décor des jardins de cette époque, la plante surtout conquiert une originalité. Palmiers, orangers, pins, cyprès sont autant aimés pour eux-mêmes, mis en valeur par le jardinier comme ils le sont par le peintre et les poètes. Le jardin tendait alors et pour un temps à se libérer des contraintes architecturales et à vivre d'une existence indépendante. C'est le moment aussi où on admet dans les jardins de véritables bois, et ce n'est plus la notion de bois sacré. On a donc des notions de sylvae, de la forêt, de la part d'Horace. Donc, on considère donc que se sont installés au centre même de la nature, de la poésie lyrique d'Horace, la tradition néo-épicurienne qui le lui impose. Donc, voilà pour l'influence de l'Italie qui a pu marquer Vatelet à l'occasion de son voyage en Italie. Ensuite, il découvre le site de Moulin-Joly à l'occasion d'une traversée de la Seine vers 1750. Et très vite, il traversait à hauteur de Beson et sur la rive droite et de Colombes sur la rive gauche. Il a alors 33 ans. Il découvre ce site champêtre des berges de la Seine. Et très rapidement, il fait faire l'intervention de la propriété de Colombes le 11 août 1750. La propriété n'est pas acquise à son nom, mais elle l'est au nom de Jacques-Roger Lecomte, et donc l'époux de Marguerite Lecomte. Donc, avec toujours un maintien de la servitude pour la meunerie, pour l'accès au moulin à eau. 1750, 15 ans plus tard, dans l'encyclopédie, il y a une notion de paysage qui est développée par le chevalier de Jaucourt et où on explique que le paysage est le genre de peinture qui représente la campagne et les objets qui s'y rencontrent. Le paysage est dans la peinture un sujet des plus riches, des plus agréables et des plus féconds. La faire entrer dans la composition de ces tableaux. Parmi les styles différents et presque infinis dont on peut traiter le paysage, il faut en distinguer deux principaux, après le style héroïque et le style pastoral ou champêtre. Enfin, il faut en distinguer deux principaux,
savoir le style héroïque et le style pastoral ou champêtre. On représente quelquefois dans des paysages des sites incultes et inhabités pour avoir la liberté de peindre les bizarres effets de la nature livrée à elle-même et les productions confuses et irrégulières d'une terre inculte. Mais cette forme d'imitation ne saurait nous émouvoir que dans les moments de la mélancolie où la chose imitée par le tableau peut sympathiser avec notre passion. Donc c'est un des motifs pour lesquels, en général, on fait apparaître dans ces peintures de paysages des figures. Alors là, vous avez une première vue de Moulins Jolis. Il y a eu une série de vues que j'ai essayé de cerner au niveau de leur date d'élaboration. Celle-ci est faite vers 1755. C'est un recueil de gravures qui est à la Bibliothèque nationale qui vous montre le moulin à eau. Au début, je n'étais pas très sûr d'ailleurs que ce soit Moulins Jolis, pour la bonne raison que les marchands d'estampes et de dessins, très souvent, dès qu'ils voient un moulin à eau, considère que c'est Moulins Jolis, même si on est en présence d'un moulin sur la Marne ou d'un moulin sur une rivière de Brie. Mais je suis revenu sur cette situation-là. Une autre influence qui a pu marquer Vatelet, c'est un exemple qui est lié à William Kent à Chiswick, à côté de Londres, où il y a une sorte de Water Woodland Garden, c'est-à-dire un jardin où les arbres, un peu dans l'esprit d'une forêt amazonienne, avec sous une latitude et des climats qui sont ceux de l'Angleterre ou de l'île de France. Donc, si vous voulez, là, vous avez un exemple de proposition d'aménagement de jardin de Chiswick qui a été fait par Kent vers 1730 et que l'on retrouve sur la vue suivante, vue de nuit. Alors, par la suite, je vais vous... une des premières vues également de Moulins Jolis, c'est cette vue. Donc là, on est très loin du plan que je vous ai présenté. Il s'agit en fait de... Alors, souvent, d'ailleurs, toutes ces vues sont très mal, dénommées. Mais il s'agit de la cour du moulin proprement dit, avec la berge. Et les passerelles sur le bras du bief du moulin. Donc, c'est toute cette partie et la roue à aubes se situant sur la partie droite. Cette vue, donc, vous avez une passerelle à fleur d'eau et il est évident que cette partie était complètement inondable par moment. C'est une vue de l'empereur, Jean-Denis l'Empereur, qui a dû être faite vers 1755 également. Par la suite, je voulais vous montrer un plan de 1761 qui vous montre les différents... c'est un plan qui est intervenu avec les dames de la rivière de Seine, qui sont les religieuses dépendantes de l'abbaye de Saint-Denis. Je pense que c'était celle qui séjournait à Argenteuil et qui avait la pêcherie dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, sur ce plan, on voit la petite île des Outres qui a été plantée, et qui est en fait cette partie-là, et qui a été raccordée déjà à la berge de Colombes. Ensuite, vous avez ici la maison proprement dite qui a été rachetée par Vatelet, le moulin à eau. Et entre les deux, il fait construire un mur des cuisines dont je vous parlerai tout à l'heure avec une sculpture. Et il y a déjà ces aménagements qui sont déjà aménagements avec des tracés réguliers. Donc cette petite île des Outres étant rattachée, elle est plantée d'arbres en carreaux. Donc il y a eu tout un travail d'assainissement du site par ces plantations qui permettaient d'éviter l'évolution du terrain. Par ailleurs, il y avait une digue, si vous voulez, qui était très importante et dont on a beaucoup parlé à propos des jardins de Moulins Jolis. C'est probablement cette digue-là qui se trouve être rompue par la suite, à l'époque où Vatelet est propriétaire,
et il décide de ne pas la rétablir. Il y avait par la suite une autre, comment dirais-je, digue plus en amont, mais c'est la première. La première, c'est celle-ci qui est rompue. Et ici, il y a une sorte d'aménagement qui correspond en fait à les pêcheries avec la trouble, qui est une méthode de pêche que l'on voit sur les planches de l'encyclopédie, où on va chercher avec une épuisette sous les berges le poisson. Donc, pour revenir à ce plan, le deuxième bras de la Seine qui sépare la petite île de la grande île des Ours, et puis en fait, vous avez la digue dont je viens de vous parler, et ensuite, dans la grande île, à ce moment-là, vous voyez que c'est séparé de l'île Marande par ce bras de Seine, ici. Et la grande île, c'est l'aménagement que je vous ai montré sur le plan tout à l'heure, la plus grande partie de cette propriété. Et le dernier élément, c'est tout ce qu'il y a à dire. Le pavillon, je vous en ai parlé. Alors il y a l'île du Moulin Joly. Il y a une petite île ici et un petit îlot, l'île du Moulin Joly. Ce sont autant de lieux qui donneront lieu à l'aménagement de passerelles ou de petits ponts qui permettent de donner de l'agrément et une certaine originalité à ce site. Bon, ça, on a des descriptions de ces éléments-là essentiellement grâce à l'acte de vente, c'est-à-dire qu'à la suite du décès de Vatelet, en 1786, le comte vend la propriété le 5 août 1786 et il donne lieu à une description assez complète sur laquelle je peux malheureusement pas, le temps ne nous permet pas de nous pencher. Et il y a également à ce moment-là une seconde description qui est faite par Dulaure dans le cadre d'un guide des environs de Paris. Donc maintenant je vais vous passer des vues à nouveau, différentes vues du Moulin Joly, qui sont toujours de Richard de Saint-Nom, l'abbé de Saint-Nom, d'après des dessins de Le Prince. Ceci, c'est vers 1755. Donc là, on a, il y a en fait une série de six vues, de huit vues, dont six ont été gravées. Il s'agit d'une des six vues gravées. Et là, le moulin à eau est vu en direction de l'amont du nord-est avec des pêcheurs, comme vous pouvez le voir. Vous voyez la vue de l'entrée de l'enclos, ce serait là, dans ce cas-là, un dessin qui est attribué à Claude-Henri Vatelet, qui serait effectivement fait un peu plus tard, vers 1759. Puis là, on revient sur la vue en direction de l'aval du moulin avec une passerelle à fleur d'eau et la fameuse roue à aube qui était la chose qui a le plus impressionné les visiteurs de cette propriété. Donc, et puis ensuite, ici, vous avez trois personnages qui sont dans une barque. Il s'agit, je pense, probablement du procureur au Châtelet, Jacques Roger Lecomte, de son épouse Marguerite, ainsi que de Vatelet, plus sur la berge, une lavandière avec un enfant qui est peut-être Louise Victoire, la fille des Lecomte, qui était née en 1739. Ensuite, ici, vous avez deux vues qui ont été faites par un autre artiste qui était dans la communauté, bien que n'étant pas français, étant d'origine autrichienne, mais qui fréquentait la communauté française de Rome, qui est Franz Edmund Weyrother, et qui a fait deux vues du Moulin Joly, qui sont très intéressantes parce qu'elles sont d'abord très précises. Il se trouve qu'il a été de passage à Paris en revenant de Rome, et donc elles peuvent être situées entre son retour de Rome et son départ pour Vienne, où il devient professeur de dessin en 1767. Parmi cette vue, qui est très détaillée, vous pouvez remarquer les toitures du pavillon de la Folie qui se trouve dans cette partie-ci.
derrière, alors qu'en fait, là, c'est la cour du moulin que je vous ai montré tout à l'heure, avec un grand pont sur pilotis dont je vais vous parler, et dans le fond, qu'on peut voir difficilement, un pont de bateau sur le bras de la Seine. Il y avait deux ponts de bateau qui permettaient en fait d'empêcher des bateaux de venir du fleuve proprement dit, de pénétrer dans la zone qui servait de pêcherie. Donc ici à nouveau le petit escalier que vous venez de voir sur la vue précédente et qui aurait été dessiné par Vatelet lui-même qui porte l'inscription au Moulin Joly ce 25 mars 1777. La deuxième vue de Weyrother est l'un des porte essentiellement sur le grand pont en bois, grand pont de bois sur pilotis, qui commence à la basse-cour du moulin et qui s'appuie, qui traverse les différents bras de rivière et la petite île ci-devant, et non, petite île, jusqu'à la grande île des Outres. Donc il y avait, je vous l'ai dit, trois ponts. Un premier pont de bateau qui n'est pas nommé, et un troisième pont, le troisième pont de bateau étant appelé pont chinois, et ayant la caractéristique d'être décoré de vases de fleurs. On le reverra par la suite. Donc voilà le portrait le plus célèbre de Vatelet, puisque c'est un portrait de Greuze. Donc ce n'est pas du tout le meunier au milieu du brouhaha de la meunerie. Ce portrait de Greuze a été présenté au salon de 1765, et l'année précédente, Vatelet avait entrepris un essai sur les jardins qui ne sera publié qu'en 1774. Et dans cet essai sur les jardins, cet essai sur le jardin a été considéré comme l'ouvrage qui marque la naissance du jardin pittoresque, voire romantique, et qui a porté témoignage de l'évolution en France du goût en matière de jardin. Les parcs et aux tracés réguliers étant considérés comme ennuyeux, bien qu'il l'ait pratiqué lui-même. Et il se trouve que le dernier chapitre de son essai est une description de son propre jardin de Moulin Joly, et qui présente comme une lettre à un ami. Exactement, d'ailleurs, c'est un clin d'œil à Horace. En plus, il y a également, quand il appelle ça, lettre à un ami. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très intéressants, sur lesquels je reviendrai par la suite, sur le choix et sur le site tel qu'il le décrit dans sa lettre à un ami, à propos des tableaux de Caillebotte tout à l'heure. Donc ça, c'est un autre portrait de Marguerite Lecomte, à un moment où... on sait, si vous voulez, il se trouve que j'ai mis ce deuxième portrait, puisque en fait, les Lecomte ont pris la succession pour très peu de temps. Après le décès de Vatelet, se sont occupés de ses affaires et ont été les personnages qui ont cédé Moulin Joly. Plus se sont occupés des ventes d'objets mobiliers où il y avait des choses assez prestigieuses, laissé entendre aussi par Vatelet dans son traité que son jardin était inspiré par un grand peintre, et on considère habituellement qu'il s'agit de boucher. Voilà la roue à aube selon la planche de l'encyclopédie, et un premier dessin qui est le dessin de la roue, une sanguine, je veux dire, de la roue à aube de Moulin Joly, sur laquelle il avait été fait des inscriptions par Vatelet, où il y avait une « Or, tandis que l'onde s'écroule, que la roue obéit à un prompt mouvement de vos yeux jour, le fuseau rond roule, jouissez, jouissez, ne perdez pas d'instant. » Donc, si vous voulez, ce qui est assez intéressant sur ce dessin, sur cette sanguine, c'est le rapprochement avec la planche de l'encyclopédie
Et on peut presque considérer que cette vue est un dessin technique d'Hubert Robert. Et ce n'est pas la première fois, j'avais trouvé déjà des dessins d'ordre technique et d'intérêt pour les sciences de son temps à Méréville, à propos de Grêlon. Et ici, c'est la roue du moulin, mais c'est aussi le pont que vous voyez là. Voilà le grand pont en bois sur pilotis, qui est en fait la réalisation qui est mise en œuvre à Colombes. Et ce grand pont sur bois qui part de la cour du moulin pour aller jusqu'à la qui fait une sorte de promenade suspendue qui passait devant la roue à aubes, qui créait une animation certaine pour les visiteurs de ces jardins et qui est donc à l'origine qui a joué un grand rôle dans l'image de Moulin Joly à cette époque. Ici, je vous ai mis un plan, un bateau. C'est le seul exemple de pont-bateau que j'ai trouvé dans l'encyclopédie. Ce pont, c'est un pont, à mon avis, militaire, qui a été fait à l'occasion d'une cérémonie militaire. Mais c'est en fait la notion de ces ponts-bateaux. On en trouve même un exemple sur la colonne Trajane à Rome. Donc, je reviens maintenant sur le plan de Moulin Joly pour vous expliquer qu'il y a eu donc une description qui a été faite par Delors et indépendamment des pays, Delors insiste sur le caractère un peu, la sinuosité des rivages et les petits sentiers qui semblent l'effet du hasard, qui forment la ceinture de cet agréable séjour, des cabinets posé avec choix, offre des abris nécessaires, c'est-à-dire que là, il y a tout un certain nombre d'éléments créés par la nature et qui sont évoqués et qui contribuent à la notoriété de ce site, indépendamment des textes qui, dans un guide, sont donnés des quatrains et différentes autres stances. Il y en a plus d'une. La poésie joue un rôle et parfois même et donne lieu à des inscriptions sur le site, sur des arbres ou à différents endroits. Donc, ce guide de Delors a vraisemblablement joué un rôle tant pour ses contemporains et pour la notoriété de Moulin Joly que même par la suite au XIXe siècle. Donc, vous avez ensuite encore une vue d'Hubert Robert qui est vers 1774, donc on est vraiment à la fin du règne de Louis XV, au début du règne de Louis XVI, et vous pouvez distinguer une plantation très récente d'arbres ici, de l'autre côté d'un bras de la Seine. Et puis, ensuite, cette contre-épreuve qui est conservée au musée de l'Île-de-France à Sceaux, toujours d'Hubert Robert, et vers 1774, qui vous présente à nouveau la fameuse grand pont sur pilotis. Et puis, alors tout ça, vraisemblablement, il y a des. Si on comparait ces vues les unes aux autres, on a des niveaux d'eau qui sont parfois différents. La dernière vue d'Hubert Robert est cette vue qui est très intéressante parce qu'elle préfigure carrément les tableaux qui seront faits par Caillebotte sur le site. Ensuite, je vous ai sélectionné deux vues qui sont ainsi appelées en barque dans l'allée d'eau, qui peuvent très bien avoir été faites sur les canaux que je viens de vous, dont je vous ai parlé à Colombes, mais sans aucune certitude. Et puis, une autre vision qui est un tableau très tardif d'Hubert Robert qui représente justement un canal, bien sûr, embelli, est devenu beaucoup plus prestigieux dans sa peinture, mais qui donne un peu l'esprit de ce que devaient être les canaux de la grande île des Outres à Colombes. Alors voici, si vous voulez, le mur de... Ça, c'est un dessin de Vatelet, où il y a une grande niche avec une sculpture qui est une, en fait une sculpture de... une Vénus de Coustou,
Vous voyez qu'on est loin d'un meunier quand on fait appel à des sculpteurs tels que Coustou sous Louis XV. Cette Vénus, il y en avait une qui avait été commandée par le marquis de Paulmy d'Argenson pour le château de Danières, un peu plus loin, et également une autre est à Potsdam au château de Sanssouci. Donc voilà parmi les commanditaires de sculptures de Coustou, et vous voyez que le mur des écuries est loin d'être rustique. Donc le moulin proprement dit se trouve juste derrière. Ici, c'est l'avenue d'accès à la propriété. Et ça, c'est une vue vers 1783. Ensuite, ça, c'est un dessin de Vatelet qui vous montre la maison telle qu'elle aurait été réaménagée et dont il a donné la description. Le domicile qui s'élevait du côté de la prairie ressemblait dans sa simplicité au presbytère d'un curé. Près de la maison, un quinconce de grands peupliers de tilleuls offrait et donne encore un couvert que le soleil ne peut pénétrer dans ses plus grandes ardeurs. Et cet ombrage s'étend jusqu'au bord d'un canal naturel formé par des îles et des petites chaussées à moitié rompues, où le courant qui se brise et bouillonne en s'échappant présente aux paysagistes des accidents faits pour les intéresser. Autour de la maison, vers la prairie émaillée sur laquelle elle est placée, comme sur un magnifique tapis, était un petit verger, et du côté de la rivière, suite à son cours, quatre rangs de tilleuls négligés, mais donnant beaucoup d'ombre, présentaient l'idée d'une avenue préparée dont jusque-là on ne s'était pas soucié de faire l'usage. Ça, c'est donc dans son essai sur les jardins de 1764. Donc la maison, a été agrandie, en particulier en partie basse, de part et d'autre, et vraisemblablement modifiée au niveau de son décor. On se trouve, si vous voulez, un peu dans une maison de campagne qui s'inspire du petit Trianon à l'époque de Louis XV, en définitive. Alors, sur cette estampe, il voyait qu'apparaît pour la première fois la maison de Marguerite Lecomte, meunière du Moulin Joly. Et ça devient Moulin Joly, J-O-L-I. Et il rajoute que ce qu'on ne voit pas sur l'illustration que je vous présente, mais en dessous, il avait fait une citation d'Horace. « Pourquoi changerais-je ma vallée Sabine pour des richesses tourmentées ?» C'est tout le programme, en définitive, intellectuel de Vatelet au niveau de l'élaboration de sa maison de campagne qui, dans une comédie qu'il a écrite, qu'il considère ne pas être anglaise, mais une simple maison de campagne. Voici, vu par Vatelet, à nouveau, le deuxième grand pont de bois sur pilotis qui commence à la basse-cour, donc ce fameux pont avec la roue à aube. Alors, il faut savoir que, si vous voulez, cette partie, vous avez vu, je vous l'ai présentée à plusieurs reprises, mais c'est vraiment le point d'attraction du moulin et ce qui a fait contribuer à sa légende. Il faut savoir aussi que Moulin Joly est évoqué dans le chant 3 des jardins ou l'art d'embellir les paysages vers 1782 par l'abbé de Lille, que le prince de Ligne en a traité dans Coup d'œil sur Bel Oeil, dans l'édition de 86. Ensuite, il y a également le poète Lebrun Pindar qui consacre quelques strophes, Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun qui en parle dans ses souvenirs et qui laisse entendre que ce serait à Moulin Joly qu'elle aurait peint le portrait d'Hubert Robert. Et puis, en définitive, de Georges Sand, qui fait de Marguerite Lecomte et de Claude-Henri Vatelet des amants maudits, à l'occasion de sa correspondance avec un avocat parlementaire, François Rollinat. Et on parle encore de Moulin Joly dans Julie de l'Espinasse, 1905, dont l'auteur est le marquis de Ségur. Donc voilà pour la notoriété, indépendamment, si vous voulez, de gens que j'ai oublié de vous citer. Les artistes
tels que Jean-Baptiste Marie-Pierre, Jean-Denis Lempereur, Jean-Baptiste Le Prince, Richard de la Bottèche de Saint-Nom, Weyrother, Hubert Robert. Il y a une visite de Marie-Antoinette et de Louis XVI en 1774, de Walpole en 1775, de l'empereur d'Autriche en 1777, de Benjamin Franklin avec une musicienne, Anne-Louise Brion de Jouy, dite la Brillante, le 17 juin 1777. Et Moulin-Joly est à l'origine d'une des pièces du recueil de Benjamin Franklin intitulé Bagatelle, qui est imprimée à Passy en l'hôtel de Valentinois en 1779. Donc vous voyez la résonance de ce site déjà à l'époque de Louis, dès l'époque de Louis XVI. Donc ici, à nouveau, une vue du grand pont sur pilotis avec la passerelle à fleur d'eau et l'escalier qui mène au petit bras, qui est dû à Vatelet et qui est vers 1783. Et puis, pour terminer, cette partie de cette première partie, vous avez là une vue de Daubigny. Ce n'est pas le Daubigny le plus célèbre, c'est un Daubigny dont je n'ai pas retrouvé c'est un dessinateur dont je n'ai pas retrouvé beaucoup de coordonnées, avec un graveur qui s'appelait Marie-Catherine Beauvarlet. Et à ce moment-là, on présente la vue intérieure d'un jardin anglais appelé Moulin-Joly, à deux lieues de Paris, appartenant à Monsieur Vatelet, receveur général des finances. Alors, je pense que cette vue a été faite pour un recueil des voyages pittoresques de la France de Jean-Benjamin de Laborde, mais j'en ai pas la certitude. Ça aurait été, si vous voulez, vraisemblablement fait vers 1788-1789. Donc là, on a basculé et on considère que c'est un jardin anglais. Et ici, alors les premières vues du 19e, c'était des vues de Constant Bourgeois, du Castellet en tant que dessinateur et de Berthaud comme le graveur. C'est une vue qui est, disons, diffusée vers 1808. Et on a l'impression que le moulin a donné lieu. Alors, il a été vendu depuis 1786. Il y a eu il y a d'abord eu un chaudronnier qui en a fait l'acquisition. Qui a fait des coupes de bois. Donc, il y a même des revendications à la mairie de Colombes sur l'évolution de ce site, parce que les coupes de bois rendent le site un peu méconnaissable. Et on a l'impression que vers 1808, cette partie a donné lieu à certains réaménagements du corps de bâtiment. C'est une des avant-dernières. Et la dernière vue que je voulais vous montrer, c'est également de Constant Bourgeois du Castellet, cette vue du troisième pont appelé Pont Chinois, qui est au-dessus du dit moulin et placé à la tête de la presqu'île, arrivant à passer de la dite presqu'île à la grande île des Outres, qui était réservée aux personnes de la maison et à leurs amis, et qui était également un pont, paraît-il, sur bateau, bien que ça ne soit plus le cas l'illustration que l'on vous présente. Donc voilà ce que je voulais vous dire en première partie de cette présentation. Alors là, maintenant, on change tout à fait d'époque. On est un peu plus tard. On est entre 1881 et 1894. Et depuis 1881, Gustave Caillebotte, le peintre naturaliste, collectionneur, à l'origine de la donation, est installé au Petit Gennevilliers, où il est pour des motifs selon lesquels il a un chantier naval très important. Il utilise un chantier naval pour la construction de dériveurs français qu'il dessine à la hauteur du pont d'Argenteuil. Et puis très rapidement, il installe plus au sud son propre chantier naval, également sous un pseudonyme qui est considéré comme le chantier Luce. Et donc on retrouve, si vous voulez, vous avez là, et il va, il quitte, quand il longe la rive, il part du, voici un exemple de vergers qui ont été peints
à Colombes. Donc on rejoint certaines descriptions qui ont été données du site par Vatelet. Et là, je vous ai mis un extrait de plan pour vous situer exactement les lieux. Gustave Caillebotte et le pont d'Argenteuil est ici. Le petit Gennevilliers, c'est cette partie ici. Le premier chantier naval doit se situer à cette hauteur-là. Et le deuxième chantier naval se situe là. Et l'île Marante, à ce moment-là, c'est cette partie-là, avec un petit bras de la Seine encore ici. Tout ça n'est pas encore relié à la berge de Colombes. Donc, il longe la berge et il vient, sur le territoire de Colombes, faire des peintures impressionnistes de la berge et de l'île. Et je vais vous les présenter. Ici, vous avez le pont de Beson. On partira du pont de Beson et je vais vous terminer par la partie nord, en passant par les berges du petit bras de la Seine. Alors, ce sont des peintures qui ont été réalisées. Malheureusement, je n'ai pas toujours des photos en noir et en couleur. Ce sont des peintures qui ont été réalisées, qui ont été considérées comme le bassin d'Argenteuil ou le petit bras de la Seine près d'Argenteuil. Et on n'a pas vu l'intérêt de ces peintures au niveau de l'aménagement du paysage et en fait, qui constitue toute une série d'œuvres qu'il convient de différencier de celles qu'il a pu faire sur le bassin d'Argenteuil, parce que sur le bassin d'Argenteuil, il a été amené à peindre 10 ans après des gens comme Manet, Monet ou Sisley, tandis que là, au contraire, il est précurseur. Et ce que je vous présente là, c'est des tableaux qui, vous allez voir, des petits bras de la Seine qui ont été faits bien avant que Monet ne fasse ses séries de meules et ne fasse ses séries de peupliers. Alors, la première, c'est la pointe de l'île Marante avec dans le fond le pont de Beson. Donc ça, c'est une toile qui a été faite vers 1888. Si vous voulez, j'ai préféré vous les présenter en fonction du site sans prendre en considération les œuvres de date, les dates, c'est-à-dire que vous avez des œuvres qui se situent entre 1883 et 1893, étant donné qu'il est décédé en début 1894. La deuxième que vous voyez, c'est le petit bras de la Seine près d'Argenteuil. On peut carrément décrire ces photos d'après les 7 compositions du jardin de Vatelet. C'est carrément l'application. C'est-à-dire qu'en définitive, on se trouve à travers la peinture de Caillebotte à mettre en application les traités sur les jardins de Vatelet qui, beaucoup plus qu'à l'architecture, considère qu'on doit se référer à la peinture en matière d'aménagement de jardin. Alors voici le petit bras de la Seine en automne. C'est une toile vers 1890, ou alors on peut dire quand Vatelet disait « Marchant dans un petit sentier à travers une prairie couverte de fleurs, je suivais les bords du fleuve qui, dans ce canton, loin d'être escarpé, s'incline jusqu'à la surface de l'eau par une pente insensible. Je parvins à un chemin bordé de tilleuls, alors des îles ombragées par de vieux saules s'offrent à moi, une petite habitation champêtre réalisée à mes yeux, les idées que je m'étais formées. » Donc, on a là un premier bras d'Argenteuil. Et cette toile est une de celles qui, au cours de cette période de 10 ans, peuvent constituer en quelque sorte des variations sur un même thème. À nouveau, le petit bras de la Seine vers 1890. Et là, on passe directement dans l'île Marante, qui à ce moment-là était boisée et qui était devenue une exploitation agricole et essentiellement un pâturage, avec une ferme qui a été détruite, qu'on voyait encore au début du XXe siècle. Donc une autre vue de l'île Marante et de Petit Bras de la Seine vers 88. Et ici, une toile qui était intitulée « Ruisseau à travers bois », qui à mon avis est une vue du Petit Bras de la Seine. Et puis des approches d'œuvres qu'on a considérées comme étant des esquisses, alors qu'en fait, c'est vraisemblablement
Malheureusement, je n'ai pas pu la voir en couleur, qui sont des recherches nouvelles sur le plan pictural, avec une peinture qui préfigure un peu l'abstraction qui a été faite, celle-ci, vers 91. Là, vous avez le petit bras de la Seine partant de Brouillard, vers 91. Et c'est une de celles qu'on considère aussi comme relevant des variations. Et puis, vous allez voir toute cette série. Celle-ci, c'est de Colombes, l'île Marande, sur la droite, donc avec ces fameux peupliers qu'on retrouve sur cette vue, ou encore sur celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci ayant donné lieu à une, comment dirais-je, ce qui est assez rare dans l'œuvre de Caillebotte, à une mise au carreau et à une deuxième œuvre. Là, je suis sur le petit bras de la Seine, effet de soleil, vers 1884, et également une œuvre qui est un peu très particulière aussi au niveau de son traitement pictural. Vous voyez qu'on est, l'impressionnisme a évolué par rapport à celui des années 1871-1880, et en définitive, les dernières vues qui sont la pointe de l'île Marante au nord, que vous trouvez là, donc cette fois-ci plus près du petit Gennevilliers.